Bonjour à tous, donc je m'appelle Émilie Nuérard et je suis doctorante à l'Institut de recherche mathématique de Rennes. Dans ma thèse, j'étudie des équations différentielles stochastiques et aujourd'hui j'ai 5 minutes pour vous expliquer ce que c'est et comment elles sont apparues. Donc on va voir qu'elles sont nées de deux manières différentes et que l'une d'entre elles mêle les maths et l'histoire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle stochastique? Pour comprendre ce que c'est, on va partir d'une équation différentielle ordinaire à laquelle on va rajouter un terme aléatoire. Ce terme aléatoire, on aime bien le prendre comme l'intégrale d'une fonction contre un mouvement brownien. En fait, on pourrait prendre un processus plus général qu'un mouvement brownien, comme par exemple un processus de Lévy, mais on va rester dans le monde des processus continus. Et donc du coup, ce type d'intégrale, ça s'appelle une intégrale d'Itô. Alors Itô, justement, de son prénom Kiyoshi, c'est un mathématicien japonais, un personnage qu'on associe souvent aux équations différentielles stochastiques, parce qu'il a beaucoup développé le calcul stochastique avec l'intégrale d'Itô et sa fameuse formule d'Itô. Dans les années 40, il s'est intéressé à la construction de nouveaux processus de Markov à partir des briques de base que sont le temps et le mouvement brownien. Alors avant d'aller plus loin, un processus de Markov, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction aléatoire qui évolue avec le temps et telle que sachant son présent, son passé n'a aucune influence sur son futur. Donc quelle a été la démarche de Kiyoshi? Eh bien, il a commencé par observer que toute solution d'équation différentielle ordinaire était construite à partir du processus de Markov le plus simple, qui est le temps. Et donc du coup, si on connaît x à l'instant s, connaître son passé ne nous apporte pas plus d'informations sur son futur. On a donc un nouveau processus de Markov, mais il est déterministe. Donc l'idée de Kiyoshi, ça a été de rajouter sa fameuse intégrale d'Itô, qui elle est construite à partir du mouvement brownien. C'est un processus de Markov aléatoire. Et donc du coup, il va obtenir un nouveau processus de Markov qui va bien être aléatoire. C'est la naissance des équations différentielles stochastiques. Mais en parallèle de ça, à quelques milliers de kilomètres de Kiyoshi, on a Wolfgang Döblin, qui lui a procédé de manière inverse, puisqu'il part d'un processus de Markov déjà construit, et il s'intéresse à comprendre comment il a été construit. Alors avant de vous expliquer ses recherches, j'aimerais bien vous présenter un peu de son histoire. Donc Wolfgang, il est allemand. Il est allemand et il a fui l'Allemagne en 1933, puisqu'il est juif. Il a continué ses études en France et il a effectué sa thèse à l'Institut Henri Poincaré sous la direction de Maurice Fréchet. En parallèle de ça, il a obtenu la nationalité française, il se fait appeler Vincent. Il va donc faire son service militaire en tant que télégraphiste dans les Ardennes. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire des maths, comme dans ce cahier d'écolier que vous voyez ici. En février 1940, il décide d'envoyer ses recherches, donc son cahier, sous pli cacheté à l'Académie des sciences. Et donc, selon la règle, s'il ne vient pas réclamer son cahier, l'Académie doit attendre 100 ans avant de pouvoir ouvrir le pli et découvrir ses travaux. Malheureusement, quelques mois plus tard, il est encerclé par les troupes allemandes à Ousra, et donc il va préférer brûler les derniers papiers qui lui restent et se suicider. Il va falloir attendre le début des années 2000 pour que sa famille demande l'ouverture du pli. Donc, dans son pli, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, il part d'un processus de Markov, que j'appelle ici grand X, et il va lui associer deux objets. Un premier processus que j'appelle Z, donc pour les probabilistes, c'est une martingale locale. Et puis, une nouvelle horloge, c'est un changement de temps. Et donc, il va montrer que Z, c'est rien d'autre qu'un mouvement brownien, mais parcouru à une vitesse aléatoire. Donc aujourd'hui, on appliquerait le théorème de Lévy. Et donc, si on déroule tous les calculs, eh bien, on trouve une expression pour X, qu'on peut comparer avec celle qu'avait obtenue Kiyoshi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un seul terme qui diffère, donc le terme en couleur ici, qui est le terme de martingale locale. Donc en fait, il est bon de remarquer qu'aucun des deux mathématiciens ne surpasse l'autre. Ils ont chacun obtenu une équation différentielle stochastique à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, à peu près aux mêmes époques. L'un avec des intégrales stochastiques, l'autre avec des changements de temps. Mais en fait, ensemble, ils ont 20 ans d'avance, puisque l'égalité entre les deux termes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la représentation de martingale de Dambisobin-Schwarz, et elle a été démontrée seulement en 1965. Je vous remercie.